En 2009, on a une résidence pour réaliser un cabaret où chacun devait proposer un numéro. Alors moi, j'étais chargé de faire toute la partie animation et on m'avait demandé d'être sur scène. Donc du coup, je me suis orienté vers un personnage plutôt muet. C'est de là où est né le personnage du chien. Dans le cadre du secret, le numéro qu'on a fait avec Jérôme Marin, Monsieur K, c'est un numéro qu'on a fait déjà depuis un petit moment. On reprend en fait la chanson du chien dans la vitrine. Qu'on met un peu ce chien dans la vitrine. Qui penche la tête en frétillant. Je dois m'en aller en Italie. En laissant tout seul mon mari, un chien lui tiendrait bien compagnie, en restant toujours avec lui. C'est vrai que depuis la première apparition du chien, qui est pour moi un personnage, une forme d'avatar en fait, il m'a accompagné tout le long de ma pratique artistique. Et je l'ai intégré dans des performances, dans des films et dans une pratique de dessin et de peinture. Dans mon travail, il y a beaucoup cette histoire de déplacement, de partir d'une image, de se la réapproprier d'essayer de dire autre chose à partir d'images filmées, dessinées, que ce soit de la gouache, de la peinture ou du dessin. J'aime bien la question de l'absurde, et c'est-à-dire de créer une situation... peut-être de créer une situation plus proche de la réalité en mettant en scène quelque chose d'absurde, en quelque sorte, auquel on ne s'attend pas forcément, auquel c'est décalé. Cette histoire de déplacement m'intéresse énormément. Et d'ailleurs, dans l'histoire de déplacement, de l'image de départ et de l'image réappropriée, peut-être ce qui m'intéresse le plus, c'est créer un espace où on pourrait se situer entre les deux. C'est pour ça que souvent, dans mon travail, je montre l'image de référence. En allant à Drouot, j'ai eu un choc émotionnel en niveau peinture, en découvrant des gouaches napolitaines du 19e. Tout était basé sur le paysage, enfin sur l'événement qui se passe dans le paysage. Donc souvent, c'est l'avant et après l'explosion du volcan. Et puis, il y a toujours comme ça des petits personnages qui circulent. Voilà. Et ça me touche énormément. Dès que je suis face à une situation qui me procure de l'émotion, du désir, et j'ai envie de la retraduire. J'ai envie d'en faire quelque chose.
Et voilà, c'est tout le travail que je mène de, bah, maintenant depuis une vingtaine d'années, de réaction vis-à-vis des images, des photos que je peux prendre, du paysage dans lequel je me trouve, et puis de la circulation du corps au milieu de tout ça. C'est-à-dire que, voilà, comment le corps devient paysage, comment le corps devient spectacle. Ma relation avec justement le paysage est vraiment liée à un déplacement, quoi, à comment on se ressent à l'intérieur. Quand j'interviens, donc en peinture, en gouache, je m'imagine toujours si je peux être derrière le rocher que je viens de dessiner. Alors si je ne peux pas y arriver, c'est que soit je ne peux pas y arriver, donc c'est de volonté, soit il y a un truc qui ne fonctionne pas. Donc je dois le retravailler pour pouvoir circuler à l'intérieur, quoi. C'est vrai que j'avais ce truc de dire que finalement, un chef-d'œuvre, c'était... une peinture est un chef-d'œuvre si on pouvait circuler à l'intérieur et si on pouvait avoir du sexe à l'intérieur. Si une peinture, on peut l'imaginer comme un espace de closing, alors c'est un chef-d'œuvre, c'est une œuvre, parce qu'elle nous invite à vivre quelque chose à l'intérieur.